arrête. Ça te va bien, regarde. Très bien, j'aime pas. Bon, allez, on y va. Ouais. Sacré coquine. Vous avez des enfants? Ce n'est pas le problème. Si, un peu quand même. Parce que je suis sûr que dans votre fauteuil, là, bien calé, vous êtes persuadé que vous savez tout ce qui se passe dans la tête de votre gamin. Parce que vous lui avez assez rabâché, qu'il fallait pas parler aux inconnus, encore moins monter dans la voiture d'un étranger. C'est une étiquette de fantasme. Tu vois pas la tête de diable, là? On nous ment tout le temps. Là, tu pars trop loin, même. Que si par hasard, quelqu'un de gauche venait lui parler pour lui demander d'aller se faire éclater la gueule à 4000 km d'ici. Et viendrait le dire à son papa et sa maman. Je veux que tu sois à moi. Tu es pur. Ton cœur est pur. Tu n'es pas comme tous ceux qui t'entourent. Tu es spécial. J'avais comme une force en moi qui me poussait, qui me disait « C'est ça qu'il faut faire, si tu fais ça, tout bien, tout ira bien. » Qu'est-ce que fait mon pays pour tous ces enfants qui sont en train de partir ou qui sont en train de basculer? Vous, vous allez comment? Moi, j'essaye d'apprendre à vivre sans raisonnement, sans rationnel. C'est vraiment incompréhensible, tout ça. On sait rien du tout, monsieur.